ça grimpe. Et ça tonne aussi, ça y est. Comme d'habitude, comme je vous ai dit. L'orage s'est invité avec nous. Alors je sais pas si tu vas entendre avec le bruit de l'eau. Donc je vais monter un peu plus haut et je vais te faire écouter. Alors c'est un dénivelé en dents de scie quoi. Soit ça monte pas, ou soit ça monte direct, extrême. Ah, j'adore. Mais la vie est pas seulement un chemin plat. Il y a l'orage qui me chantonne une petite berceuse. Avec... le ruisseau. Je gronde encore, mais pour l'instant, croisons les doigts, touchons du bois, ça ne tombe pas. Allez. Il est impressionnant. Ça y est, je commence à recevoir quelques gouttes. J'y échapperai pas. Bon, normalement c'est passager, mais normalement. Mais bon, je suis heureux, je suis dans la verte, la bonne verte comme j'aime, bien dense. Ça grimpe, hein. Je suis à 1500 mètres, j'ai commencé à 800, ça fait du 700 mètres de dénivelé. Je sais pas si on va voir. Je suis à 1412 exactement. Allez, perdons pas trop de temps. Thank you.
On essuie, hein. Ils avaient prévu, mais ils avaient dit une heure. Ça fait plus d'une heure, là. Donc, je sais qu'il y a un petit refuge, je crois, par là. Je suis pas loin, là. Je vais essayer de l'atteindre. I'm trumped. You are trumped, I'm trumped. Allez. Petite pause et après on y va. Pas des pieds, hein. Alors la tourmente. Блядь, стой, пацаны, потеряли дружка, блядь. Тихо. Petite bière au Genepi, bière brassée dans les Alpes. On va voir ce que ça donne. Magnifique.
J'ai bien dormi. Cette nuit, il a fait 13 degrés dans le refuge. Tranquille. Petit café et on décolle. Ça, c'est le petit sentier que le brocard a pris hier soir. Ça fait un petit sentier. Ça m'évite de passer directement dans les hautes herbes. Surtout qu'en ce moment, il y a beaucoup de tiques. Il faut faire gaffe. Ça grimpe, hein ? Bon matin. J'étais obligé de prendre un nouveau bâton. J'ai oublié l'autre au refuge. Ça, c'est la famille de Rumex, de l'oseille. Mais il y en a qui se mouvent pas. Je crois que quand il y a des traces rouges comme ça, ils se bouffent. Mais bon, pas sûr, donc on évite. On n'est pas en période de chasse là. Vous avez entendu? Ça tire. Voilà, tout le long du chemin, ça. Soit c'est la foudre, ou soit c'est l'érosion. Ça monte grave. Ça réveille. On commence à arriver dans le désert alpin. On a dépassé les 2300. Putain. Celle-là, elle est pour Nico et JC. Pensez à vous. Proposez un P, les gars. On se rejoindra tôt ou tard, comme on dit. Petite dédicace pour vous. Bon, bah, bien. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Séché.
C'est Woods Runner. Voir le lac Brun là-bas. Donc ça y est, on a passé le col de Trempalazze qui culmine à 2542 mètres. Donc il est midi 25, à 35 ce sera bon. Franchement ça va, c'est pas mauvais, surtout quand t'as faim. J'ai une petite pause martiniquaise, hein, vous avez compris. Ouf. Donner un peu de boost. Alors j'ai remarqué les névés, il y a du rouge dedans, la neige. Dans tous les névés du coin, c'est une couleur rougeâtre. Il fait frisquer. Allez, on finit la pause et on est reparti. Donc je sais c'est quoi ces traces rouges. Il y a un randonneur là, qui est passé là. Il m'a expliqué, on a un peu discuté. Donc en fait ces traces rouges, c'est le sable, c'est le sirocco, le vent qui souffle le sable. Et il arrive jusqu'ici, impressionnant. Dur dur après la petite pause déjeuner. La reprise, c'est dur dur. Tranquillement, tout azimut.
Là, j'ai rencontré un randonneur. On est descendu ensemble en tout azimut. Les genoux, ils ont morflé. Je vais vous montrer d'où c'est. C'était de tout là-haut. Voilà, on était là. Et on est descendu. Tout azimut, tout azimut. Franchement, il faut 3 heures pour monter, une demi-heure pour descendre. Fais un petit café. On arrive au lac de l'Hivernais, un magnifique lac. C'est magnifique. Parce que la descente, même si j'ai un bâton là, les genoux ils morflent. Déjà que moi j'ai des problèmes avec les genoux. Ça, on commence à arriver au sous-bois. J'essaie de me trouver un petit coin dans le secteur. Un coin assez plat. Là, je suis dans le terrain du berger en fait. Il y a la grille là. Il est là. Il suffit qu'il monte demain matin avec son troupeau. Dressés dès leur plus jeune âge à repérer et à faire fuir les prédateurs, c'est donc au promeneur d'adapter son comportement. Un troupeau qui monte depuis 30 ans dans une montagne, il a ses habitudes, il a ses aires de couchade ou de chaume, et il ne va pas en changer. Et le chien qui lui calque sa protection par rapport au troupeau, c'est normal que quand quelqu'un s'approche du troupeau, c'est comme s'il agressait le chien qui est en train de protéger le troupeau. Voilà. C'est pas une bonne idée d'être là. J'ai vu un sentier là. Il y a le parcage. Et là, tac, 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 tac. Il faut récupérer un sentier. Peut-être la foudre. Là, je commence à regretter d'être descendu. Je vois plus du tout le ciel. Il n'y a aucun plat. Ça fait 11 heures que je marche.
11 heures de marche dans les jambes. Ça va, le genou, il a tenu. Hier, j'ai marché de 13 heures. J'ai marché 5 heures hier. Aujourd'hui, 11 heures. Voilà le chemin. What the fuck. Ah ouais, il était énorme. Ne roule pas sur moi. Franchement, le bâton, c'est top. Ça sert grave. Pour se maintenir, pour s'aider, pour pas trop solliciter les genoux. C'est quoi ces sentiers là? Allez, un petit replat s'il vous plaît. Je peux me mettre sur le chemin quand même. La foudre. Faire gaffe, hein. En deux. Wow. Impressionnant. Descendu au refuge. Hein. Il est encore à moi tout seul. L'erreur que j'ai faite, c'est d'être descendu. J'aurais dû dormir dans les alpages en haut. Mais je voulais trop dormir en forêt en fait. Moi je suis en forêt là, mais. D'ailleurs j'ai entendu un chevreuil là, aboyer. Pourtant j'avais le bâton et tout. Hein. Mais j'ai vu de. En fait, à un moment j'ai remarqué une petite prairie. Et en fait, il y avait un enclos. Donc ensuite, vous avez vu les images. Hein. J'ai trouvé un autre endroit, mais c'était pareil. Ça appartenait au berger. Bonne la vignasse, elle est bonne. Elle passe bien là. Ouh, ça c'est cool. Bravo. Cette nuit, il a fait 7,4. Combien de bêtes vous avez?
Donc je lui dis que le loup est prêt alors. Le loup il descend, il va arriver au fer, il est là, si elle va venir, au revoir. Allez. Maintenant moi je voulais qu'il revienne parce qu'il y a un loup qui boite là-dessous. Ben lui il m'a dit que de vous prévenir que le loup était là. Eh ben alors je traverse là. Mais il me dit ça, mais j'ai l'impression qu'il descend, non? Quoi? Elle descend, oui. Ah mais elle vient toute seule, elle vient au sol. Je vais passer là à côté comme ça, je traverse. Voilà, ouais. Eh ben merci. De rien, madame, avec plaisir. Vous arrivez de Mont-Guillaume? Non, de Champédry. Je sais que c'est ça. C'est à côté de... côté de Mont-Guillaume, si vous voulez. Ah oui, là, ouais. C'est un sommet à côté, ouais. Ah, ben voilà. C'était magnifique, je suis parti hier. Ah, heureusement que j'avais eu le temps. Ouais. T'as fait d'orage. Ben avant-hier, j'ai eu l'orage. Ah. Ça fait trois jours, là, fait trois jours que je marche. Le soir, oui. Là, ils viennent pour le sel, les bêtes. Mmh. Elles sont belles, hein. Il y a un veau qui boite. Oui, il y a un veau qui boite, il y a un veau qui boite. C'est quoi comme race, ça? Ben là, il y a des abondances, il y a des Montbéliardes. Sont magnifiques. Voilà, pratiquement c'est que c'est abondant, c'est Montbéliard. Les blanches, c'est Montbéliard. Mmh. Il y a quelques charolaises, je crois aussi, mais enfin pas beaucoup. J'espère qu'il vous attend pas en haut. Oh non, mais de toute façon, il suivra bien les bêtes, mmh, aussi. Alors il les a séparés, le lot. Voilà. Je vais passer là, puis après je remonte. Hein. Quand tu fais beau comme ça, le matin, c'est agréable. C'est super. J'ai regardé le lever de soleil ce matin. C'était magnifique. C'est magnifique. Ouais, ah ouais. Exactement. Le blanc? Ouais. Vous voyez? Ah ouais, une boîte, ouais. Voilà, une boîte. On va aller lui faire une couture. Ah ouais, il boite, hein. Non, il a le dossier, hein. C'est bien, c'est la mienne, hein. C'est pas du tout le numéro. Mais... elle est grande, hein. Ouais. Je pense que c'est ça. Elle est belle, elles sont en état, celle-là. Hum. Mmh. C'est avec mes copines que je vous laisse. Merci d'avoir visionné. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi. Et on se dit à très vite, comme d'habitude. Allez, ciao !